It's delicious. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Enfin un nouveau vlog. Ben, les températures baissent, donc les vlogs reviennent. Je ne suis pas toute seule, je suis avec ma maman. Et ben, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est une journée spéciale. On va tester, on va aller voir une voyante. Donc je sais que, bon après on n'y croit pas, peu importe, nous on va voir ce que ça donne. Et en fait on peut enregistrer la consultation avec son téléphone. Donc c'est ce que je vais faire. Le truc, déjà il va y avoir certaines parties privées que je ne vais pas mettre. Mais je vais essayer de la mettre sur YouTube. Je vais voir si je peux le faire, si je peux faire le montage avec. On verra ce qu'on peut faire, sinon je vais vous raconter de toute manière. Donc nous on part déjà après on monte jusqu'à Bastia, il y a 2h30, même on dépasse Bastia, il y a 2h30 de route, il est 9h, on va s'arrêter manger, on a rendez-vous à 13h30. Et voilà, allez je vous montre les paysages et on se retrouve après. S'est arrêté à Vitzavon, je vous ai fait quelques images, et il est 10h, du coup en filmant ça prend plus de temps, on va être à la bourre, non? Et là je viens de me prendre le népine sur mes belles chaussures neuves. Il est 10h, voilà, si je vous pose là le temps de mettre la ceinture, oh ben impeccable. On est reparti. On s'est arrêté. Bon, on est toujours à Vitzavon. Et en fait, on s'est arrêté. Maman connaît une histoire sur une maison. C'est la maison qui est tout au bout, en ruine. Ah, celle-ci. Je vais vous la montrer. I don't know where to go. You've been my shelter for. J'ai chaud, même Vitzavon il fait chaud. Je pense que là tu as plus de visibilité. Oh merde. Du coup l'histoire je vous l'ai filmée. J'espère que vous allez voir. Vous mettez pause sur l'écran pour lire. J'ai un bonbon, c'est pour ça que je zozote. Et voilà, je meurs de chaud. Bon, j'arrête de filmer, de parler parce que sinon il ne va pas y avoir assez de mémoire.
famille dans la voiture, je voulais filmer. J'ai caché la plaque, c'est pour ça que c'est mal filmé. En fait, ils ont une crie au sport. Il y a la mamie qui conduit et elles nous ont coupé la route. Elle a accéléré, la mamie. Et du coup, maintenant, elle roule tout doucement. Elles me font trop rire. J'adore les mamies, sérieux. Bon, les mamies, les papis, j'adore les personnes âgées. Je disais ça à ma mère maintenant. J'adore trop, ça me fait trop rire. C'est trop mignon avec leur voiture de sport rouge. Vous allez m'entendre, putain, je brille. Il fait une chaleur, il fait encore plus chaud qu'Ajaccio. On est arrivé à Bastia, enfin à Togg exactement. On a garé la voiture au parking souterrain. Et il est midi quelque chose. C'est vrai. Ah oui, on est dans le. Ah ouais. Ah, on est dans l'ascenseur. On s'est recoiffé. Ah bah du coup, je vais voir si je me suis recoiffée. Moi, je trouvais plus ça avant. Qu'est-ce qu'on va. On a le temps d'aller manger du coup, maman. Je vais vous montrer ce qu'on mange. Alors, mes chers amis, nous sortons de chez la voyante. Maman, ça va, tu es satisfaite de ce qu'elle t'a dit? Enchantée, on est enchantée, la vie est belle maintenant, tout va s'arranger. Rien ne peut nous arriver. La vie est belle. Tout est bien pour les 15 ans à venir. Pour moi, je suis tranquille. Pourquoi il y a une tache blanche? Et vous êtes sale. C'est mieux comme ça. Oh, ouais, ça y était sale. Bon. Pour les 15 ans à venir, on est dans le tunnel, donc je suis orange. Oh non, on va enlever ça, c'est horrible. Regarde ça, la tronche. Nous voilà sortis du tunnel, d'ailleurs vous le voyez juste là derrière. Donc, en résumé, déjà je précise, c'est pas on y croit ou on n'y croit pas, peu importe. Moi j'y crois, sauf que je ne crois pas forcément en la personne qui le fait. Il faut trouver la bonne personne, la personne honnête, etc. Et c'est ça le plus dur, en fait. Voilà. Et je sais de quoi je parle, mais je n'expliquerai pas ça en vidéo. Donc... Ma mère n'y croit pas. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle te demande juste ton prénom. Elle ne cherche pas à comprendre. Elle ne te pose pas des milliers de questions. Voilà. En gros, tout va bien. Pour les 15 prochaines années, pas d'accident, pas de maladie, pas de trucs vraiment négatifs. Il y a un bébé qui arrive dans la famille, un petit garçon. C'est la comptable dans la voiture de devant. Et c'est la sans plâtre. Voilà, après, non, voilà, rien de mon couple parfait. Mais ça, je le savais. Enfin, les cornes, hein, parce que. Oui, en faisant les cornes, hein. Mais je sais pas, est-ce que c'est tout le monde? Parce que moi je fais des trucs. Bon après je sais pas, mais. Est-ce que c'est que les Corses qui font les cornes et tout? Ou est-ce que c'est tout le monde, même en France? Je pense que oui, en France aussi. On fait des cornes, on touche du bois. Voilà, donc non, tout est positif. Moi j'ai posé une question parce qu'à un moment donné elle demande si on veut poser des questions. Moi j'ai bien sûr posé la question sur ma maladie. Et la question, c'était est-ce que je vais finir en fauteuil roulant? Parce que le truc, c'est ça. C'est vraiment une question intéressante, existentielle. C'est quelque chose d'utile à demander, c'est bien ça. Et elle a affirmé que non. Donc, voilà. Maintenant, ben, il suffit d'attendre. D'attendre les années à venir et de voir si ce qu'elle dit, ce qu'elle a dit, c'est vrai ou pas. Donc, ben, il reste juste à attendre. Donc, restez sur la chaîne. Dans 15 ans, on s'en reparle. Hein. Voilà, non, d'ici, non. Elle a dit qu'elle allait avoir un voyage. Maximum dans 8 mois. Donc ça, dans 8 mois, j'espère que vous serez encore là. Sinon, je ne pense pas fermer la chaîne. Donc d'ici 8 mois, on verra si elle se voyage ou pas. C'est absolument pas prévu à l'heure actuelle qu'il y ait un voyage. Donc on va voir. Bon, je vous dis à tout à l'heure. On va s'arrêter au petit village. Il y a un petit village miniature. C'est un monsieur qui a fait ça. C'est magnifique. Mais il ne faut pas le louper. Donc on va faire ça. Hein? On va pas le louper cette fois-ci. Non. Marrez-vous. On est perdu. On a réussi à se perdre. En Corse. Il faut le faire. Il faut le faire. En plus, je vous disais,
En Corse, on peut pas se faire. Eh ben, on s'est perdu, on s'est trompé de route. Bah, en fait, on s'est juste trompé de route. Mais c'est ma faute, je t'ai dit tout droit. Oula, j'étais sûre qu'il fallait pas tourner. Parce qu'il y avait de l'embouteillage à droite. Et tout droit, c'était tout droit. Il n'y avait pas d'embouteillage, on a dit tout droit. Du coup, on a pris la route pour Porto Vecchio, mais c'est pas bon. Maintenant, on en a pour combien de temps de retour? Une heure. Ah, on a fait... Ah ouais. Donc, il est 5h et on est toujours à Bastia. On n'est pas à la maison à 29h ce soir. Même pas à Bastia. On est... Je sais pas où. Ah oui, on est même plus à Bastia. On est... Santa Lucia. Il est marqué tout à l'heure. Le sport de Santa Lucia. Bon, 9h ce soir. Écoute, ce sera fait une journée vacances. Alors voilà. Voilà. Bon. Je vous montre un peu Santa Lucia. Alors, on est dans l'embouteillage, c'est-à-dire qu'on avait roulé plus d'une demi-heure dans le mauvais sens et on s'en était pas aperçu. C'est normal, on est des filles. Attends, eh oui, on parlait, on regardait qu'il y avait de jolies petites maisons qui étaient bien aménagées, c'était mignon. Et en fait, ben voilà, on s'est arrêté, on a demandé à la station-service. Donc on n'est pas perdu, hein, parce qu'on aurait pu redescendre par Porto Vecchio. Et tout, mais bon, on arrivait à quelle heure? Ouais, il est 17h, il faut qu'on retourne, donc les 30 minutes. Et après, on a 3 heures de route, parce qu'en plus, on va s'arrêter pour vous filmer le petit village s'il ne fait pas nuit d'ici là. Si on ne s'est pas perdu, ça va. Voilà. Les Bastiais sont très gentils. Ils sont chaleureux, sont très gentils, très agréables. Bon, mais... Voilà, hein. Tout à l'heure, au village, petit village miniature, normalement. Vous êtes en direct. Le type à la station essence, il nous dit au rond-point pour aller à Bastia, pour retourner sur Bastia, ne prenez pas les quatre voies. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend les quatre voies. Et on va là. Et on retourne d'où on vient? Ah, tu retournes là-bas. Pour aller à Ajaccio. Oh, mais... On retourne à Porto Vecchio. Pourquoi ça te plaît pas? Je me dis qu'Ajaccio était là-bas. Au prochain rond-point, on prend direction Ajaccio. Voilà. Par la bonne route. On va essayer. On vous tient au courant. Les prochaines images, c'est le village. Hein. Tu le vois le panneau Ajaccio? Tu le vois là-bas? Oh purée! Bon, à droite, hein. Faut pas qu'on se trompe, hein. À droite, donc à gauche. Non, à droite, la vraie droite. On y est arrivé au village. Super beau, c'est très touristique. On a mis la pièce dans la tirelire parce qu'il a une petite tirelire pour lui.
C'est vraiment très très beau. Il a apporté des améliorations. La dernière fois que je l'avais vu, il a mis une... Enfin, je sais pas, c'est cette année. Hein. Cette année que je l'ai vu. Comment on appelle derrière la plaque avec les montagnes, l'image? Oui, voilà. Il a mis un fond avec des montagnes et ça change tout. C'est vraiment magnifique. Super beau. Voilà. On en est reparti pour de la route. Alors je me suis arrêtée à acheter un miatch parce que, enfin j'en ai acheté plusieurs mais je vais descendre sur Ajaccio, à Jean-Claude et Matisse, et moi j'en mange un maintenant. C'est comme ça, je vous ai déjà montré dans un vlog, c'était un vlog de Noël. C'est du pain en fait comme une pizza avec du fromage frais. Là c'est la vitre de ma mère. Donc voilà, c'est comme ça. Du fromage frais corse avec une pâte à pizza. Et c'est trop bon. Alors les amis, à chaque fois que je reprends le vlog, je me touche les cheveux. On va clôturer le vlog ici parce que il est 7h. On va accélérer. Et qu'on n'est pas encore arrivé à Visavon. Donc voilà. Bon, conclusion quand même, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la voyante. Conclusion. Moi j'attends de voir, mais j'aurais aimé, je suis un peu déçue sur certains trucs parce que je sais pas vraiment comment ça fonctionne la voyance hein, en vrai, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur moi, genre mes opérations de l'estomac, genre ma maladie. Elle en a pas parlé si c'est pas moi qui posais la question en fait. Donc voilà, je suis un peu, je suis mitigée, je sais pas. Donc j'attends de voir, j'ai l'enregistrement audio. Sincèrement, je sais pas encore si je vais le mettre sur YouTube, ça c'est sûr, mais en privé. Je sais pas si je vais le mettre en public. Si c'est en public, sincèrement, je vais poser un rendez-vous. C'est-à-dire, par exemple, je vous dirai telle date, il sera en ligne de telle heure à telle heure, et après je le repasserai en privé. Parce que il y a des choses privées, donc intimes, pas intimes, mais privées. Donc voilà, que mes abonnés actuels pourront voir, mais pas tout le monde. Tout le temps. Voilà. Donc si vous avez regardé jusque-là le vlog, vous savez ça. Sinon, tant pis. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs, ça sera un haul grâce à ma maman. Un haul Primark Action. Il y avait du nose dedans.